35 morts et près de 200 blessés, c'est le dernier bilan de l'attentat suicide contre l'aéroport international de Domodedovo, à Moscou. Une attaque qui n'a toujours pas été revendiquée. Nombreux sont ceux qui voient pourtant la marque des extrémistes du Nord-Caucase. Le kamikaze a déclenché ses explosifs dans la zone des arrivées, la moins protégée, vers 16h30 locale. Quelques victimes légèrement blessées ont pu sortir et donner des informations aux premiers secouristes. Les cas les plus critiques ont été transportés vers les hôpitaux de Moscou. La vigilance a été accrue dans les deux autres aéroports de la capitale russe alors que les vols reprennent progressivement à l'aéroport de Domodedovo.